Dedekid, Gombili, Vimbili, Gombilivid, Ombarkayam, Ombarkayam, Pumbidid, Scambiam, Kastlahel, Haslahel, Hashpetlam, Hash, Ay, Bus, Plex, Tel, Kex, Bui. Vladigar, Vladigin Flastigar. Flaklin, Klian, Klin. Mardei Billy, Taslapit, Mardei Guy, Cardei Dip. Hardei Ga. Sarmaloi, Foy, Boy, Crac, Crac, Aïe. Hakabado, Guja, Salo, Pai, Juf, Uf, Aïe, Crac, Punch, Crunch, Teddy, Daddy, Daddy, Kid, Kaslagel, Aïe, Haslamel, Bolide, Uf, Umbar, Brut, Brut, Oit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Clock out! Clock out! Clock out! Mm-hmm.
Fabiruli. Vigiruli. Fabiruli. Vigiruli. Fabiruli. Vigiruli. Quand vous brassez le prédat, quand vous brassez le prédat, il y a un grand morceau, il y a un grand morceau. Il se demande au pied de nous, il se demande au pied de nous. Graline, vise dégrévée, graline, vise dégrévée. Vive son prévé, vive son prévé. Vise un gourmet. Fabiruli, Vigiruli. Pigalle, les catins, Escurial, Champs-Élysées, les putains, les valins, les balins, Saint-Germain, boule miche, triche corriche, sandwich richiche, hello baby, all right lady, landis, noodle coudel, noodle, fruity noodle, all right lady, fond français, oh là là, toqué, pauvre type, zigué, oh mon vieux, comptez son cieux, laisse t'enculer, Concorde! Est, sud, nord, est, sud, nord, est, sud, nord. Fédérasque et Vérasque ont test. Oh, 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 bistron, bistron. Gloané, c'est Yassour, chouchouchouchouchouaille. Foucouclag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 la
Sana la gunga la gunga la gun, vuch punta la gunga la gunga la gun, patch vuch la da tute, yum parai, hum parai tut, bui, jangare kare gunga la gunga la gui, bui, stupi lo kupi lo 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 lai, flui, domino nomino fai, zoi, kuri tu kuri tu gui, shala la kuku, flake la fluku, sini la nuni la nai, j'en perds pas l'orelai, hala la gai, attention bis, vague le lis, amstram gram. Kuli fuki niki glam, ham ham glam. Fuki niki niki glam, fuki kali fuki ham, ham stram glam. Alla balla, tonto galla, ni marica la portica, chi se la ti dica lui, da londe e non de son. Kuki rakara guli, kuki nialo di fita guli, si dira che mi ridi, tupi pupi dolce pi, pompera ta pompa pi, tapi tapi re uni, ham stram glam, ham stram glam. La marchandise que la bureaucratie détient, c'est le travail social total. Et ce qu'elle revend à la société, c'est sa survie en bloc. Mais la marchandise abondante est là comme la rupture absolue d'un développement organique des besoins sociaux. Le sujet ne peut émerger que de la société, c'est-à-dire de la lutte qui est en elle-même. Son existence possible est suspendue au résultat de la lutte des classes qui se révèle comme le produit et le producteur de la fondation économique de l'histoire. Chaque nouveau mensonge de la publicité est aussi l'aveu de son mensonge précédent. L'imposture de la satisfaction doit se dénoncer elle-même en se remplaçant, en suivant le changement des produits et celui des conditions générales de la production. La croissance économique libère les sociétés de la pression naturelle qui exigeait leur lutte immédiate pour la survie. Mais alors, c'est de leurs libérateurs qu'elles ne sont pas libérées. L'indépendance de la marchandise s'est étendue à l'ensemble de l'économie sur laquelle elle règne. L'économie transforme le monde. Mais le transforme seulement en monde de l'économie. La réussite du système économique de la séparation et la prolétarisation du monde. Les villes nouvelles de la pseudo-paysannerie technologique inscrivent clairement dans le terrain la rupture avec le temps historique sur laquelle ils sont bâtis. Leur devise peut être ici même, il n'arrivera jamais rien et rien n'y est jamais arrivé. Le spectacle n'est pas un ensemble d'images, mais un rapport social entre des personnes médiatisées par des images. La réalité du temps a été remplacée par la publicité du temps. Le spectacle, comme la société moderne, est à la fois unie et divisée. Le spectacle en général, comme inversion concrète de la vie, et le mouvement autonome du non-vivant.
vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s'annonce comme une immense accumulation de spectacles. Tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation. Le spectacle se présente comme une énorme positivité indiscutable et inaccessible. Il ne dit rien de plus que ce qui apparaît est bon, ce qui est bon apparaît. L'attitude qu'il exige par principe est cette acceptation passive qu'il a déjà en lui obtenue par sa manière d'apparaître sans réplique, par son monopole de l'apparence. La théorie critique du spectacle n'est vraie qu'en s'unifiant au courant pratique de la négation dans la société. Et cette négation, la reprise de la lutte de classe révolutionnaire, deviendra consciente d'elle-même en développant la critique du spectacle, qui est la théorie de ces conditions réelles, des conditions pratiques de l'oppression actuelle, et dévoile inversement le secret de ce qu'elle peut être. Là où le monde réel se change en simples images, les simples images deviennent des êtres réels et les motivations efficientes d'un comportement hypnotique. Mais le spectacle n'est pas identifiable au simple regard, même combiné à l'écoute. Il est ce qui échappe à l'activité des hommes, à la reconsidération et à la correction de leur œuvre. Il est le contraire du dialogue. Il y a une éternité dans une minute. Dix. L'agent de spectacle mis en scène comme vedette est le contraire de l'individu. L'ennemi de l'individu en lui-même aussi évidemment que chez les autres, en concentrant en elle l'image d'un rôle possible, la vedette. La représentation spectaculaire de l'homme vivant concentre dans cette banalité la condition de « elle s'incarne, vedette » et le résultat, spécialisation inaccessible du vécu, du travail social apparent. En minimisant des sous-produits qui sont magiquement transférés au-dessus de lui comme son but, le pouvoir et les vacances, la décision et la consommation. Réelle de la culture est seule à en conserver le sens. Elle ne peut plus être culturelle de la sorte. Elle est ce qui reste de cette manière au niveau de la culture, quoique dans une acception toute différente. La fin de l'histoire de la culture se manifeste par deux côtés opposés. Le projet de son dépassement de l'histoire totale et l'organisation du maintien autant qu'il est grand. Dans la contemplation spectaculaire.
recherche de l'unité perdue. Dans cette recherche de l'unité, la culture comme sphère séparée est obligée de se nier elle-même. La connaissance et la reconnaissance historique de tout l'art du passé, rétrospectivement constitué en art mondial, la relativise en un désordre global qui constitue à son tour un édifice baroque à un niveau plus élevé. Édifice dans lequel doivent se fondre la production même d'un art baroque et toutes ses résurgences. Les arts de toutes les civilisations, de toutes les époques, pour la première fois, peuvent être tous connus et admis ensemble. C'est une recollection des souvenirs de l'histoire de l'art qui, en devenant possible, est aussi bien la fin du monde de l'art. C'est dans cette époque des musées, quand aucune communication artistique ne peut plus exister, que tous les moments anciens de l'art peuvent être également admis, car aucun d'eux ne pâtit plus de la perte de ses conditions de communication particulières dans la perte présente des conditions de communication en général.